Simon de Dieu. Akuchacha. Simon de Dieu. Akuchacha. Simon de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer? Akasi ou père. Tu sauras pourquoi le monsieur il est en joie. Qui le reconnaît déjà? Vous le connaissez? Ok, allons-y, monsieur. Noi Tegbeme, Frank Fréjus. Je m'appelle Tegbeme, Frank Fréjus. Ni soudeur. Je suis soudeur de formation. Bono soudé bateau. Je suis soudeur de bateau. Et ouais, j'ai tant de mes bords. Traverser situation gégé. À un moment donné dans ma vie, j'ai traversé beaucoup de problèmes. Bon, bitié, revire beaucoup. Et j'avais des jumeaux, l'un des jumeaux est mort. Bon, ben, si, togu, togu, wab, et j'ai quitté l'extérieur pour revenir au Benkaï. Vous étiez dans quel pays? Totem et Minedaï. J'étais à Accra. Accra. Bon, wa, bon, wa, ti, to, tchim. J'étais à Accra, je suis revenu au Bénin. Bon, do, fi, di, on, a, du, no, veu, nu, mi, tao. Et maintenant, quand je suis revenu chez moi, manger est devenu très difficile pour moi. Oui, là, comment tu l'as, Léo? À mon molikou vlo. Quand j'appelle mes amis pour qu'ils me viennent en aide, ils m'envoient demi-mesure de riz, demi-kilo de gari. Je m'énervais disant c'est moi-même, à moi-même qu'on faisait ces dons. Un jour, l'un de mes amis m'a donné une demi-mesure de riz, demi-mesure d'haricot et ma femme préparait. J'ai dit, ce repas, je ne mangerai pas car ce n'est pas ma destinée, ça. Je n'ai pas d'électricité chez moi, j'utilise l'énergie solaire. Bon, on crédit 500 francs. J'ai pris de crédit 500 francs pour pouvoir regarder un film d'action pour me distraire. Waouh, est-ce que tu peux acclamer? Akasi ou pas? Pour ceux qui ont connaissance en la matière. Eh mais tu nous as aidé. Les films d'action, des fois, on allume ça pour se distraire. Film d'action et notre table mina pondé, brando de aïda. Quand tu vois on est à l'aise. Aïka met ton odeur. Donc tu as voulu zapper pour voir un film d'action. Amando mina pond. Babi nous prenons les dibona confiter à namo yé ou coin de wene on est à dit. Bon non, on défile pour une chaîne 82 dit. Pot TV. Je défilais seulement, je suis arrivé au numéro 82 et j'ai vu Pot TV. Bon, non. J'ai dit, moi, je n'ai pas envie de regarder ces choses. Peu de temps après, une voix me dit, mais la personne parle le fond. Hein. C'est nous 2 minutes. Écoute au moins pendant 2 minutes. Bon, non, si c'est nous, c'est un roulé de papa Tché. Si c'est déjà François Xavier à Lokpe, on connaît un abouton de Béthémé. Et quand j'ai commencé par écouter le message que véhiculait le prophète François Xavier à Lokpe, et touché moi. M'a touché. Bah, il va faire blâmer. Et j'étais rempli de chair de poule. Bon, ben, vie. Et je me suis mise à pleurer. Ben, vie, oh. Ce qu'il a fait qui m'a reçu, c'est que lorsqu'il est ministre, il a tendu sa main pour prier aux téléspectateurs. Et quand il a tendu sa main, cela m'a réjoui et j'ai couru pour garder la télévision. Tout ce qu'il déclarait, je répondais amen. Quand il déclare, je réponds amen. Quand je vois ceux qui sont présents sauter ici, moi-même chez moi, je sautais. J'ai dit ça reste, comment je vais venir car je n'ai pas l'argent. Et ma femme m'a dit, prends courage, ne te lamente pas, l'argent viendra. J'ai appelé l'un de mes amis qui m'a donné 1000 francs CFA. J'ai donné 500 francs à mes enfants. Et j'ai pris les 500 francs restants, j'ai pris un taxi moto et je suis venu à Port de Vie. Quand j'étais venu, je m'étais assis auprès d'une soeur. La soeur, quand elle achetait quelque chose, elle m'en achetait aussi. Mino fine, papa va localiser tata.
Peu de temps après, quand la prière a commencé, l'homme de Dieu a localisé la soeur qui était à côté de moi. Peu de temps après, moi-même, j'ai été localisé. Wow, il a contracté ça. Et où il y a mis ça? Tel qu'on dit que l'animal qui n'a pas de queue, c'est Dieu lui-même qui se charge de lui chasser les mouches. Je n'avais aucun front, mais Dieu m'a fait grâce. J'ai été localisé par l'homme de Dieu et je suis venu devant. Quand je suis venu devant, l'homme de Dieu prophétisait pour moi disant qu'il m'a vu dans les liens. Et j'ai dit que c'est une vérité, car en marchant, je sens qu'il y avait des toiles d'araignée sur moi. Quand l'homme de Dieu a prié pour moi et m'a touché, j'ai perdu connaissance. Je n'ai plus su ce qui a suivi. Après, quand je me suis réveillé, j'ai senti une légèreté en moi. Malgré que je n'ai pas de l'argent, il y a une joie qui m'anime. Camarade. Tu es dans les liens. Quand tu remets l'argent, on ne retrouve plus ça. Confirmé. Tout ce que tu entreprends ne marche pas. Même ce que tu n'as pas dit, on crée cela dès que tu l'as dit. Une confirmation. Ça lui fait pitié. Ça fait pitié. Je rentre dans sa maison dans le règne spirituel. Depuis sa naissance, on a mis un esprit en lui. Il est ouvert avec tout le monde. Mais il ne trouve pas de l'aide. Ça, c'est vrai, papa. C'est fini aujourd'hui. Amen. Relevez-le. Ce n'est pas un sujet de rire. Aucun homme ne peut le faire si ce n'est Dieu. Il est dans les liens. On l'a mis dans le toit d'araignée. Jamais quelqu'un ne le verrait. Il ne fait pas le cauchemar. En tout moment où il éjacule, voyez ce qui se passe. Spirituellement, tu perds de force. Fire! Écoute-moi. Ne parle plus. Que ça sort de lui. Regardez-le. C'est lui-même ça. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Qui es-tu? Tu es en train de faire la chose. Qui es-tu? Qui es-tu? Grand-père. Je suis son arrière-grand-père. Tu as quel âge? De 35 ans. Ah, il y a pas de soigner. Voici votre temps bien, mais. Depuis quand es-tu dans sa vie? 22 ans. Ça se passe 22 ans déjà que je suis présent dans sa vie. Il est généreux. C'est lui qui aide tout le monde. Toi, tu ne veux pas qu'il aide les gens. Je ne veux pas du tout. Et tu l'as possédé. Qu'as-tu détruit? Il quémande avant de manger. Qu'as-tu fait encore? Il se prend trop. Quel est ton nom?
Pierre. Pierre. Je suis Pierre. Tu t'es dit. Où es-tu actuellement? À Oku. Je suis déjà mort. Mais allez à Sowawe. Mais tu travailles encore. Si vous n'avez pas à Sowawe. Depuis quand es-tu à l'œuvre? Si vous n'avez pas à l'œuvre, comment tu vas? Depuis quand tu es encore sur la tête, tu travailles? Elle était. Ça fait très longtemps. Et bloc un habit, mon. Il y a combien d'années environ? Plus de 50 ans que je suis en train de travailler dans cette maison. Ok. Qu'as-tu détruit dans sa vie? Et ça, moi, ça ne pourra jamais travailler. Qu'as-tu fait dans la vie de ses jumeaux? Sa femme est possédée par la sirène des eaux. Les jumeaux se sont alliés avec sa femme et j'ai retiré. Ok. Tiens, mais à tu vas partir, c'est bon. Fire! Encore! Fire! 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 Jordan au nom de Jésus. Jordan au nom de Jésus. Vous qui nous suivez sur Porte Vie, regardez. Vous dites qu'il n'y a rien du tout. Regardez bien. Regardez les démons. Jordan au nom de Jésus. Jordan au nom de Jésus. Papa Pierre. Papa Pierre. Je t'ordonne. Un. Deux. Deux. Regardez. Qui es-tu réellement? Je suis Jésus. Laisse-moi. Laisse-le rentrer. Je ne le laisserai pas partir. Un, deux, trois. Tite. Relève-toi. Tite, Pierre. Pierre, lève-toi. Tu vas rentrer dans un tombeau au cimetière ici maintenant. J'ouvre un tombeau maintenant, le tombeau de Jésus. Un, deux, trois. Mon père se rend grâce. Mon père te rend grâce. Pierre. Pierre. C'est fini aujourd'hui. C'est fini aujourd'hui. C'est fini aujourd'hui. Applaudissez le Saint-Esprit. À la fin, la soeur qui était assise à côté de moi, elle a dit, viens, je vais te présenter mon mari. Elle m'a amené chez son mari. Son mari m'a béni avec 2000 francs. Et le mari a encore dit, si tu as besoin de quelque chose, appelle ma mère de donner. J'ai dit, ah, ça l'a béni ici à côté de nous. Et un jour, je n'ai pas voulu laisser mon opportunité passer. Donc, quand j'étais en train de suivre la télévision et l'abonnement était fini, j'ai appelé le frère et il m'a envoyé de l'argent. Et après un court instant, mon téléphone a sonné. On m'a appelé d'où? Je n'ai pas déposé de dossier quelque part, mais on m'a appelé au port autonome de Cotonou. Wow. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Pousse des cris de joie. Les mains opérationnelles. On t'a appelé au port de Cotonou. Yeah, il a appelé au port autonome Cotonou. Et lorsque tu t'es rendu là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Arrivé là-bas, je n'étais parti avec aucune pièce. Nous avons le port autonome, mais tout le monde est tout. Ceux qui sont là-bas savent de quoi je parle. Sans le bas, tu ne peux pas avoir accès à l'intérieur du port. Papa François Xavier a dit ça, tenu touché d'avoir le bon Dieu de ma bien. Et arrivé là-bas, j'ai fait face à l'agent de sécurité qui était à l'entrée. Et j'ai prié intérieurement en disant, l'onction du prophète François Xavier a loqué. Touche monsieur maintenant. Et il
il a dit, mais toi tu es devant moi, tu ne parles pas, tu me regardes seulement. Et j'ai dit, chef, pardon. On m'a appelé à l'intérieur pour faire un travail. Et il a dit, rentre. Et il m'a ouvert le portail. Quand je rentrais, je regardais derrière pensant qu'il allait me rappeler. Personne ne m'a rappelé et j'ai été là. Bon, il y a un bloc gaz au risque dehors. J'ai été là-bas, là où on m'a appelé, et on m'a demandé si je pouvais faire le travail. J'ai dit oui, que je peux le faire. On m'a fait un test. Et j'ai reçu au test sur le sang. Et quand on m'a fait le test, j'ai réussi au test en même temps et on me parlait du salaire. Salaire de 2 450 000. Et on m'a parlé d'un salaire de 456 000. C'est trop lourd. Oh my God! La pauvreté n'est pas une bonne chose. Si vous allez dans une église, et le pasteur dit on ne va pas parler de la richesse car celui qui a l'argent ira en enfer. Quittez son église. C'est à cause de l'argent vous êtes aussi beau comme ça. Dieu bénit le frère. Agenouille-toi. Mon père, tu rends grâce. À partir d'aujourd'hui, il ne manquera plus d'argent. Sa vie change. La vie de Christ rentre en lui. Que la vie de Christ rentre en lui. Va et travaille. Et que tout ça est bien pour toi. D'accord. Franck, je vais te remettre 10 000 francs. Va et prospère. Avec ça que les portes financières s'ouvrent. Si je suis réellement un prophète, que toutes les portes s'ouvrent pour toi. Le Dieu qui a commencé va l'achever. Au nom de Jésus.